Dieu, viens à mon aide. Seigneur. Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Garder pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai
conserver tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérées. Les jugements de ta bouche. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 126. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur regarde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeons. C'est la largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traînes a pu remplir son carquois. Sur la place dont il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Dieu, tu profiteras pour ton aise et bien-être. Ton épouse, une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils de sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur
et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Parfaite est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui il est juste et droit. Tu as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton père qui t'a fait te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton père qui te l'appelle, tes anciens qui t'en fassent le récit. Quand le Seigneur de toutes les nations, quand il fixa les frontières des peuples suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part et d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il entoure les élèves, il le garde comme la qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son pelage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, amen. De Christian de Chergé, l'invincible espérance. En effet, la Pentecôte n'est-elle pas d'abord la grande fête du témoignage? Le signe particulier de ce témoin, nous dit Jésus, c'est qu'il n'a rien en propre, rien à lui. Tout, il le reçoit. Tout, il le donne sans rien retenir. Le témoignage de l'Esprit, c'est l'esprit de pauvreté. Il faut avoir un cœur de pauvre pour être témoin selon l'Esprit Saint. L'homme a été créé par Dieu, voulu par le Père, avec ce cœur-là, un cœur de fils. La Pentecôte, c'est renaître à cette vocation. Ces apôtres apeurés que nous voyons confinés en prière, ils ont fait ce chemin-là qui est de se reconnaître démunis face à une mission trop grande pour eux, de tout attendre de Dieu jusqu'au premier mot de leur témoignage, d'attendre Dieu de Dieu, pour que ce soit lui qui témoigne. Et le miracle va naître de la rencontre de deux pauvretés,
celle des apôtres et celle de cette foule qui est là dans l'attente. Dans cet événement, tout le monde semble témoigner, chacun dans sa langue et selon sa grâce propre. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut bannir les querelles de mots. Elles ne servent à rien, sinon à perturber ceux qui les écoutent.
toi-même et force-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. Eh bien, mon cher Timothée, c'est un sacré challenge que t'invite Paul. En effet, qui de nous n'a pas quelque raison de rougir lorsqu'il se présente devant Dieu ? Qui de nous n'a pas une fois ou l'autre tenté, bien vainement d'ailleurs, d'enchaîner la parole en lui-même pour ne pas être trop dérangé. Ce n'est rien de moins que la sainteté à laquelle t'appelle Paul, à laquelle il nous appelle. Cette exhortation, elle ne vient pas d'un inconnu, mais d'un vieil ami que tu as quitté dans les larmes. Comme un père pour toi, il t'a enfanté à ta vocation et t'a fait naître à l'amour de Dieu qui est dans le Christ. Aujourd'hui encore, du fond de sa prison, où cette fois tu n'as pas pu descendre avec lui, il te chante, il nous chante toute son espérance. Avec lui, le Christ amour, nous vivrons. En nous appelant avec toi, Timothée, sur le chemin de la sainteté et du témoignage, Paul nous laisse comme une boussole. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. Souviens-toi. Il ne s'agit pas de se rappeler vaguement de ce qu'on a pu nous dire sur cet homme Jésus qui vécut par le passé. Non, il s'agit de faire mémoire de la vie de Jésus en toi, en chacun d'entre nous, hier, aujourd'hui et demain. Souviens-toi du descendant de David, celui qui est venu accomplir en toi et dans le monde toutes les promesses de Dieu, et comment il te fait toi-même étincelle de promesses divines pour le monde. Souviens-toi de sa parole que tu ne peux enchaîner et qui, si tu la laisses faire, veut aujourd'hui encore prendre chair en toi. Si par hasard tu avais peur de n'être pas à la hauteur, n'aie crainte. Dieu, dans sa parole, lui, est fidèle. Souviens-toi du ressuscité. Vis avec lui. Et lui, il vient se plonger dans les morts que tu acceptes de traverser avec lui, et il te ramène à sa vie. Souviens-toi de Jésus-Christ, de Jésus, celui que tu aimes, ce Jésus qui est là avec toi, aujourd'hui et pour toujours. Cher Timothée, comme les Éphésiens chez qui tu résides et parmi lesquels, pendant 3 ans, tu as été comme un novice aux côtés de Paul, comme eux donc, Paul te confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Jésus déjà faisait de même. Père, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Finalement, cher Timothée, la sainteté à laquelle tu es appelé, à laquelle nous sommes tous appelés, c'est peut-être tout simplement, en nous, accueillir sa parole, le reconnaître, l'aimer, le laisser faire. La sainteté, c'est peut-être juste Dieu en toi, l'homme. Chers frères et sœurs, avec Timothée, invoquons l'Esprit Saint, pour qu'il nous fasse ressouvenir de toutes les paroles que le Seigneur a murmurées à notre cœur.
Que l'Esprit de vérité nous révèle l'œuvre de Dieu en chacun d'entre nous et qu'il fasse de notre faiblesse transfigurée un lumineux témoignage de son amour pour les hommes. Que nous chantions avec le psalmiste « Moi, je vis pour le Seigneur, telle est son œuvre ». Puissions-nous faire nôtre cette prière du bienheureux frère Christophe de Tibirine, qui, comme Timothée, a eu à témoigner du Christ dans les tribulations. Seigneur, aujourd'hui, être mémoire de toi, vivant. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les enfants qui souffrent à cause de la séparation de leurs parents. Permets que des accords apaisants soient trouvés dans la recherche du bien des plus fragiles. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants des pays européens qui préparent le plan de relance économique. Permet qu'au cœur des négociations soit placée la situation des personnes les plus vulnérables. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui, par leur générosité, aident des plus pauvres et soutiennent des œuvres du bien social. Permet que leur engagement donne l'occasion à une rencontre profondément humaine et pour sa part enrichissante. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint,
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple de France, toi qui lui as fait le don de la foi sur les instances de sainte Clotilde, accorde-lui maintenant, par son intercession, un attachement sincère à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonçait à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes.